Dans la commune de Châteaufort, sur les terres du domaine d'Ors, rasées en 1951, ce moulin vient de se voir attribuer le label de patrimoine d'intérêt régional. C'est dans le sud-ouest des Yvelines, près de la rivière de la Mérantaise, que se tient ce moulin chargé d'histoire. On a retrouvé des traces écrites de l'existence de ce moulin à partir de 1651. Il y a une première reproduction du moulin sur une carte de 1702 et à partir de ce moment-là, différentes cartes le reproduisent. Donc on sait que ce moulin existe depuis la fin du XVIIe siècle et nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Parmi les 88 moulins de la région, le moulin d'Ors serait, selon les spécialistes, l'un des mieux conservés. Ce label de patrimoine d'intérêt régional, créé en 2018 par la région Île-de-France, pourrait apporter un coup de projecteur pour le moulin. Ce label permet de reconnaître un peu ses qualités de moulin, et donc de pouvoir le valoriser, de l'identifier comme tel et de le préserver aussi sur le long terme. Et puis ce qu'on espère, le label permet ensuite de postuler pour avoir des aides supplémentaires pour valoriser ou restaurer. Et notre projet, ce serait de pouvoir restaurer la roue et la remettre en état. Un label qui permettrait aux lauréats de bénéficier d'une aide à hauteur de 30 000 euros pour la valorisation du site et de 500 000 euros pour les travaux de rénovation. Le chantier du moulin d'Ors pourrait débuter d'ici 2022.